Pour terminer sur cette thématique sur le paramétrage sur BPPay Pro 21, le dernier tutoriel que je vous propose donc sur le paramétrage, hein, une fois qu'on a fini de paramétrer les variables, les rubriques, et bien effectivement, hein, vous voyez, en plus c'est très bien fait ici au niveau de l'arborescence, il faut terminer par les profils, puisque c'est les profils qui vont donc conditionner le bulletin de paye. Alors, comme pour les rubriques, eh bien, au niveau des profils, vous n'en créerez jamais de toutes pièces. Je m'explique. Si, admettons, on est en train de paramétrer un profil non cadre, par exemple, on va aller chercher ici un profil.